Trésor, mémoire de radio, présente. Treceors, mémoire de radio, présente. Thirteenors, mémoire de radio, présente. Dreizehnors, mémoire de radio, présente. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. Mes enfants, un mot, un seul, à tous ceux qui aiment bien manger, économiquement, avec une boîte de pâtes aux effrais du Père Lustifru, les pâtes qui ne collent jamais, vous préparerez, madame, 6 plats au lieu de 4, car les pâtes Lustifru ont cette qualité unique de tripler à la cuisson. Quelle économie! À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. La fille du boulanger est folle d'André Bourget. La sœur de la crémière est folle de Jean Lumière. Et dans la pharmacie, on veut Tino Rossi. La femme du charcutier en pince pour chevalier. Rina qui est susurre chez le marchand de chaussures. Mais le cousin du Niap lui préfère Edith Piaf. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend les chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toute la maison. À chaque étage, il y a des Juliettes liettes. À chaque étage, il y a des Roméo. Le village nage dans les airs d'opérette rette. Le village nage dans les airs de radio. Le marchand de pommes de terre chante l'air de Werther. Le maire chante à tue-tête, viens, 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 ma nénette. Le notaire chante du nez les airs de Charles Trenet. Le ramasseur de porc entonne le mot d'or. En cousin des caleçons, la lingère chante Manon. Et le vieux tambour sourd chante parlez-moi d'amour. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. Nous commençons notre première émission de la journée. Voici notre leçon de culture physique. Troisième leçon de culture physique va commencer. Flexion des jambes. Mains aux hanches. Une, deux. Une, deux. Étendez-vous sur le dos. Renversement du corps en arrière. Je vous rappelle la liste des objets que notre ami Pierre Dac vient de vous communiquer et que vous devez lui rapporter ce soir. Un chapeau haute forme, un quart de bonbon anglais déjà à moitié sucé, une statue de la République sur son socle, une bicyclette, une écharpe de mer, une pipe en sucre, une paire de gants blancs auxquels il manquera un doigt, un code civil ouvert à l'article 44. Enfin, les concurrents devront porter la moustache. Allô, allô, ici Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore Potorginski. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce soir le pittoresque costume national ukrainien et je regrette que vous ne puissiez, comme moi, juger de la note charmante que cet effet coloré met dans notre studio. Au quatrième top, il était exactement midi. Bonsoir, monsieur, dame. Il y a de la joie? Il y a de la joie, merci. Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin, de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, ben, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, ben, des émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le moins possible, quoi. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est, Radio 37 est baptisé. Ici Radio Luxembourg, voici l'heure de la ménagère. Prêt. Monsieur Duraton. Madame Duraton. Jean-Jacques Duraton. Jacqueline. Gaston Duvet. Ami Duraton vous dit bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, tout le monde.
terminerons notre émission par la pensée du jour, qui est de Goethe et que nous avons déjà citée. Un cœur égoïste ne peut échapper aux tourments de l'ennui. Chef au chef, monsieur le chef, au nom des auditeurs de cette TSF, rejouez donc pour nous, pour eux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Y a des chansons dans le piano à queue. Et voici le quart d'heure confidentiel du ténor sans voix. Quart d'heure de charme pour vous, mesdames. Quart d'heure de rêve pour vous, mesdemoiselles. Quart d'heure de récréation pour vous, messieurs. Quart d'heure de douceur pour vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Puisqu'il vous est offert par Peau Douce, le savon au pamplemousse qui mousse sur vos frémousses. Si Peau Douce m'était offert, j'y prendrais un plaisir extrait. Ne quittez pas l'écoute. Dis-moi, mon chéri, si nous essayions d'avoir Paris ce soir, il y a un programme et pas tant. Si tu veux, ma choute, essaye. Register on the best London records. C'est l'ombre. Eh bien, tourne le bouton et tu vas avoir Paris. Allô? Allô? Ici Paris. Vous allez entendre le concert organisé par l'association des acheteurs des grands magasins de la place Clichy. Allô, allô, ici Toulouse. C'est curieux, nous avons Paris et Toulouse en même temps. Vous allez entendre le concert organisé par l'association des consommateurs du café de la Rotonde, de l'œuf dur et des voyageurs réunis. Non mais sans blague, quitte donc Toulouse. Vous piétinez dans mon émission. Eh bien, et vous le Parisien? Quand vous aurez fini de postillonner dans votre micro, que j'articule dans le mien. Oh, ça va, retirez-vous que je commence. Meublez-vous avec art, un meuble signé Pélican est garanti. Pour se casser tout le temps, adressez-vous plutôt au grand magasin, le régiment de chambres et meubles, rue Flitox à Toulouse. Ça commence, chers auditeurs. Veuillez écouter Manon Voici le Soleil, enregistré par le ténor Rivabella. Orchestre sous la direction du maître Petit Bâton. Veuillez écouter Mimi, le temps n'est pas beau, chanté par Monsieur Roustagnac du Capitole de Toulouse, accompagné par l'orchestre argentin Alonso Bistros. Mimi, le temps il n'est pas beau, vois-tu comme il tombe de l'eau. Oh, c'est trop fort, arrêtez votre sale phono. Mais ça n'est pas un phono, c'est un picupe. Voulez-vous parier que je vais aller vous le poter? Quoi donc? Votre picupe, saucisse. Les meilleures saucisses se trouvent chez Oscar, charcutier, rue du Champ du Merle à Toulouse. Ah, c'est malin, c'est malin. Chers auditeurs, veuillez écouter la chanson des blés d'or par Mademoiselle Loupe-Tinguette du Casino de Paris. Pour tout achat d'oiseaux et de volatiles, adressez-vous chez Pintadol et Escarbagnas, rue des Remparts Saint-Étienne à Toulouse. La constipation est vaincue par les pilules Courzidon. Pharmacien, rue du Petit Endroit, à Toulouse. À Toulouse, vous commencez à m'embêter, vous, à la fin. Allez-vous vous retirer? Je ne me retirerai pas. Ah, c'est trop fort, je vous préviens que vous n'allez pas pouvoir parler, allez. C'est ce que nous allons voir. Mais c'est tout vu, mon vieux. Mesdames, messieurs, vous allez entendre... Vous avez entendu sonner midi au joyeux carillon Nénette, le seul qui règle le soleil. Allô, allô, ici le micro de la Redoute. Vous allez entendre maintenant, comme chaque semaine à ce poste, le quart d'heure des vedettes. Ce soir, à notre micro, la grande vedette du disque et de la radio, Berthe Silva, présentée au micro de la Redoute par Monsieur Henri Boudet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, je vais vous présenter une artiste dont la voix chaude et pathétique va, j'en suis persuadé, vous procurer un moment d'émotion profonde.
Madame Berthe Silva. Évidemment, mon rôle sera vite rempli, car Madame Berthe Silva est trop connue et trop appréciée du grand public pour que je puisse ajouter quoi que ce soit à sa réputation. Vous avez été une des premières, chère madame, à vous consacrer au micro. Voulez-vous nous parler de vos impressions devant ce petit appareil qui émotionne tant tous les artistes? Le fait est, cher monsieur Boudet, que moi, qui n'ai jamais eu le trac en scène, j'avoue que devant le micro, j'ai tremblé, au point que ma voix en était dénaturée. Je dois ajouter qu'à la seconde chanson, j'étais déjà complètement remise de ma grosse émotion. Mais pourquoi ce trac, en somme? Je l'attribue à cette chose que j'appellerais l'inconnu. Eh bien, chère madame, je vous passe le micro. Nos auditeurs doivent être impatients de vous entendre. Je vais vous interpréter Celosa, ou Si je pouvais n'avoir plus Dieu, de Fursi et Léo Daniderf. Si je pouvais n'avoir plus Dieu, ne plus voir les tiens qui m'attirent, je crois que cela vaudrait mieux, je souffrirais moins de martyr. Oh, tes yeux, ils me font les voir, me regarder plein de tendresse, lorsque je sais qu'avant ce soir, ils verront une autre maîtresse. Si je pouvais n'avoir plus Dieu, ne plus voir tes lèvres sourire, leurs mensonges qui sont pieux me sont des supplices le pire. Ne plus voir où se sont posés les baisers des amours vénales dont tu te plais à te griser en des querantes saturnales. Si je pouvais n'avoir plus Dieu, ne plus voir ta beauté de molle, tes airs de vainqueur merveilleux et ton front si pur et si pâle. C'est pour tout ça que tu m'as plu, pour ça que tu m'as captivé. Et si je ne te voyais plus, je crois que je serais sauvé. Si je pouvais n'avoir plus Dieu, je ne serais plus sous ton charme, qui m'est doux et méthodieux et m'a fait verser tant de larmes. Je sais trop qu'on ne peut te voir sans tout de suite être ta proie, et qu'orgueilleux de ton pouvoir, les cœurs que tu prends, tu les broies. Si je pouvais n'avoir plus Dieu, autour de toi je pourrais vivre, sans voir quand tu deviendras vieux, sur tes cheveux tomber le givre, et je m'en irais au tombeau, gardant l'illusion charmante, que tu fus toujours jeune et beau, et que je ta seule amante. La meilleure des brillantines, c'est Fortville. La brillantine surfine, c'est Fortville. Forvilisez vos cheveux avec la brillantine Air Oil Fortville qui leur donne souplesse, luminosité et maintient l'indéfrisable. La brillantine Air Oil Fortville est parfumée aux cinq fleurs et aux yeux noirs, les inimitables parfums Fortville. Elle fortifie les racines, achetez donc la brillantine de Fortville. Fuyez la méchante toux, soignez-vous, soignez-vous. Voilà l'hiver et le froid, quel ennui, quel effroi. J'entrerai dans vos poumons, car je suis un vrai démon. Vous pourrez tousser, pleurer, quand vous serez enrhumés. Oui, mais nous ne craignons rien, ça va bien, ça va bien. Par le sirop vert cadet, sirop pour cadet. La catonine,
cantine, la cantine. Vous, madame, et vous, monsieur, vous pouvez vous fortifier en vous régalant. Prenez avant chaque repas un verre à Madère du puissant vin fortifiant que vous préparerez avec la quintonine. Tout le monde aime la quintonine, les petits comme les grands. Et tout le monde devient fort et bien portant en prenant de la quintonine. 5 francs 75 seulement, toute pharmacie. La quintonine, la quintonine. La quintonine, la quintonine. Le secret d'un joli teint, c'est diadermine, oui diadermine, soir et matin. La mode est à la jeunesse. Soyons à la page, utilisons chaque jour pour les besoins de notre peau la diadermine qui conserve jeunesse et beauté. Demandez à votre médecin ce qu'il pense de la diadermine, crème de beauté non parfumée. J'ai fait 3 fois le tour du monde, sans une panne à mon moteur. J'ai traversé la terre et l'onde, grâce à la bougie la meilleure. KLG, pas une autre, non. KLG, c'est bien la meilleure. KLG est la meilleure bougie du monde. Rendement, économie, sécurité, c'est la devise de KLG. KLG, oui, pas une autre, non. KLG, c'est bien la meilleure. Avez-vous goûté, comme il convient, le charme éternellement jeune du beau Danube bleu? Permettez-nous d'être sceptiques. Certains ralentis succédant à des fortés que le maître viennois affectionnait vous ont sans doute échappé si vous n'avez pas écouté ce disque enregistré électriquement sur un phono le reproduisant électriquement et surtout sur un phono d'une mécanique telle qu'il vous en restitue toute la fougue et toutes les finesses. En 2 mots, vous n'avez pas pu en goûter tout le plaisir si vous ne l'avez pas écouté sur un Philips 572. Le Philips 572 réunit dans un meuble de haut luxe la qualité phonographique Philips et la qualité radiophonique Philips. Un phono de classe avec pick-up à haute sensibilité, à dispositif automatique de déclenchement et d'arrêt, et un poste de TSF d'un montage inédit, le fameux octode super ultra sélectif qui vous apportera, avec la musicalité Philips, toutes les voix du monde. Et le Philips 572 ne coûte que 3100 francs. Faites-nous l'honneur de venir l'écouter chez nous, sans aucun engagement de votre part, et vous choisirez vous-même vos disques et vos ondes. Électrique. La cuisine électrique, exquise, propre, économique. Vous tournez le commutateur. Une douce chaleur naît, monte, enveloppante, subtile. Vous tournez plus loin. À votre gré, la chaleur s'accroît, forte, tenace. Vous tournez à fond. Un feu invisible, dévorant, irrésistible. En quelques instants, la cuisinière électrique est devenue votre esclave. Le four ouvre sa gueule. Le four souffle chaud. Mains expertes, vous y déposez le gigot blanc et rouge, beurré, aillé, salé, doré, succulent. La tarte aux pommes, appétissante, croustillante. Là-haut, sur le réchaud, les haricots dans l'aluminium d'une casserole s'apprêtent à danser. C'est exquis. Mais dites-moi, la cuisine électrique, ça revient cher? Vous avez encore ce préjugé? La cuisine électrique est la plus économique. Pour cuire le gigot, 26 centimes. Les haricots, 25 centimes.
La tarte, 29 centimes. Total, 80 centimes. La cuisine électrique, exquise, propre, économique. La cuisine électrique, c'est rapide, c'est exquis, c'est pratique. C'est simple, économique, ça cuit tout, c'est propre comme tout. Un petit contact et ça boue. Vive la cuisine électrique. Voici Fantaisie et Bel Canto, une émission de Mario Podesta avec Mado Robin de l'Opéra. Au piano d'accompagnement, Joachim Grand. Oh,
ne fait pas de pain sans farine, on ne se porte pas bien sans Vitaline. Vitaline, super dépuratif du sang, est en même temps un tonique reconstituant. C'est le traitement par excellence des rhumatismes, douleurs, eczéma, maladies de la peau et toutes affections de la circulation du sang. Vieille formule, mais succès constant. Vitaline, la sentinelle de votre santé. En vente dans toute bonne pharmacie. La bolle de florine, la bolle de florine, la bonne tisane pour le foie. Une tasse de bolle de florine après les repas soulage le foie et rafraîchit l'intestin. Votre pharmacien vend la bolle d'eau florine. Bonjour, madame. Vous désirez ? Monsieur, mon médecin m'a ordonné un savon neutre, doux à la peau et dont le parfum soit un parfum naturel. Avez-vous cela ? Bien sûr. C'est même le seul savon qui se vende maintenant. Si vous voulez un savon de toilette qui soit très doux, qui sente vraiment bon, un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. Mes chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans la grande et belle salle du Normandie, comme tous les lundis. Et maintenant, les épreuves du crochet vont commencer. Je vais sortir de ma poche mon petit papier, la petite liste, que Mademoiselle Suzanne vient de me remettre, et le premier concurrent qui se tient sur le seuil de la porte, comme s'il allait plonger de 16 mètres de hauteur. Ah non, 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 il n'a pas peur du tout. Avancez, monsieur, c'est un jeune homme qui a l'air fort, courageux, bien planté, avec des cheveux noirs. Et là... la jeunesse inscrite sur le visage, c'est Monsieur Lucien Rémy. Monsieur Lucien Rémy, qui habite 44 rue Maldo à Paris, est ébéniste. Quel âge avez-vous, monsieur ? 37 ans. 37 ans. Et vous ne les paraissez même pas, Vénard. Il porte un complet gris, une cravate grise et violette, sur une chemise bleue. Et il va nous chanter... Comme la plume au vent de Rigoletto. Comme la plume au vent de Rigoletto. Comme la plume au vent, femme volage, et bien peu sage, qui s'y fit un instant. Trompé par leurs deux yeux, j'ai l'air d'y croire, bornant ma gloire, à tromper encore mieux. Femme farie, femme farie, folle qui s'y fit. Un seul instant, un seul instant. Après cet excellent concurrent, voici maintenant Mademoiselle Germaine Poulain. Entrez, Mademoiselle Germaine Poulain. Elle est jeune, elle est brune, elle porte une petite robe noire avec un chandail marron. Elle a des cheveux rejetés négligemment en arrière. Elle habite 162 rue de Bagnolet, Paris. Qu'est-ce qu'elle fait, cette enfant ? Elle fait de l'aérographe. Quoi ? Elle fait de l'aérographe. Elle fait de l'aérographe. C'est pas une maladie, non ? Non, parce qu'il y a tant de gens qui font de l'aérophagie aujourd'hui. On peut confondre, hein. Alors, vous allez nous chanter ? Dans le bistrot du port. Dans le bistrot du port. Chantez bien fort, hein. Quel âge avez-vous ? 16 ans. Elle a 16 ans, Renard. Dans le bistrot du port, on y parle d'amour, de pêche et de partance, des soirées de retour. Et l'on dit pas non.
gentille petite fille, il faut qu'elle travaille un peu. On a partout chanté les nains de Blanche-Neige, Simplet, Poltron, Hatchoum, Grincheux. Il faut en étendant ce charmant privilège fêter aussi les gnomes du ciel bleu. Oui, chantons les gnomes rôdes, gnomes rôdes, gnomes rôdes. Il est temps que l'on prône leur mille et une qualités. Leurs noms sont endurance, plein gaz et sécurité. Ils travaillent pour la France et pour sa liberté. Oui, chantons les Nombrones, Nombrones, Nombrones. Pas un ne les détrône, ils sont rois de l'immensité. On parle encore du petit poussé et de ses bonnes qui faisaient, dit-on, d'un bon sept lieues. Mais ces bons à présent ne sont qu'une petite trotte auprès d'un raid des gnomes du ciel bleu. Chantons les gnomes rôles, gnomes rôles, gnomes rôles. Il est temps que l'on prône leur mille et une qualité. Leurs noms sont robustesse, confiance et célérité. Leurs multiples prouesses font leur célébrité. Chantons les gnomes rôles, gnomes rôles, gnomes rôles. Pas un de les détrônes, ils sont rois de l'immensité. Tous les moulins avant ne tournaient avec zèle que si le vent soufflait un peu. Aujourd'hui sans la brise on voit marcher les ailes grâce au moulin des gnomes du ciel bleu. Chantons les gnomes rôles, gnomes rôles, gnomes rôles. Il est temps que l'on prône leur mine et une qualité. Leurs noms sont résistance, record, régularité. En toutes circonstances sur eux l'on peut compter. Oui, chantons les gnomes rôles, gnomes rôles, gnomes rôles. Personne ne les détrône, ils sont rois de l'immensité. Le vin, c'est la gaieté, la bonne humeur. Voici ce qu'en pense Georges Milton. À tous les repas, maman et papa boivent, c'est marrant, le grand vin Béran. Le Béran, c'est le vin des familles. Le Béran, c'est la joie qui pétille. C'est parce qu'il a vieilli au soleil que le Béran, ce vin réputé, est incomparable. Demandez-le à votre fournisseur. Soyez dans le mouvement, buvez du Béran. Lus, les bons petits beurres, lus. Oh, qu'ils sont bons, les lus. C'est un régal, un délice. Seuls des biscuits de qualité garantiront votre santé. Mangez des biscuits L.U.L.U. Lefèvre utile, aucune contre-marque. Goûtez sa délicieuse paille d'or au pur jus de framboise. Lefèvre utile n'utilise que des produits de qualité. Beurre fin, œufs frais, pur sucre de canne. Petit beurre lu et approuvé du monde entier. C'est un déjeuner, un goûter délicieux. Banania, banania, banania. Il y a bon. Banania, 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 banania. Il y a bon, banania. En somme, qu'as-tu retenu de ton voyage autour du monde? Eh bien voilà, partout où l'on trouve des gens civilisés, on trouve aussi du savon cadom. Et c'est le principal, tu as bien raison. Le savon cadom, si doux, si frais, si mousseux et si économique, quelle femme soucieuse de sa beauté pourrait s'en passer? Cadom, 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 quel bon savon que le savon. Cadom, 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 c'est le meilleur des savons. Le seul vrai savon cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé cadom.
Il est bon, le savon, le fameux savon Cadom. Nous savons que le savon Cadom, c'est le meilleur savon. Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté. Savon Cadom. Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé. Savon Cadom. Un seul savon fait une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche. Savon Cadom. Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau. Savon Cadom. Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé Cadom. Dans les studios des programmes de France, André Claveau a enregistré cette chanson. Pâques bêtes, donne-moi ton petit cœur. Pâques bêtes, tu feras tout mon bonheur. On délivre ta grâce, comme un rire qui passe. Pâques bêtes, jolie fleur du printemps de mon cœur. Après Pâquerette, triste mélodie par Léo Marjan. Mélodie, mélodie, tu exprimes tout mon amour. Mélodie, en moi, la nuit le jour, pour lui, lui que mon cœur adore, quand il me tient entre ses bras, je la redis jusqu'à l'aurore, alors j'entends son cœur si bas. Mélodie, tu exprimes tout mon amour. Un succès 1947 enregistré en exclusivité au programme de France par Maurice Chevalier. 20 ans, tous ses cheveux et toutes ses dents, mais hélas, pas pour longtemps. 30 ans, voici le premier cheveu blanc, on l'arrache en souriant. 40 ans, diable, on s'arrête, car si l'on veut arracher tout. À 50 ans, notre tête sera plus lisse qu'un caillou. 20 ans, mon Dieu, c'était le bon temps, se dit-on à 60 ans. 20 ans, j'étais plutôt fou que méchant, mais c'était si palpitant. Lui, 70 ans savant, c'est la fin de la romance. Et c'est pourquoi, pendant qu'il en est temps, jeunes gens, profitez-en, ayez pas d'ans. Succès 1947. Georges Hulmer crée Un Monsieur Attendait. Ah, monsieur l'attendait au fond du palais. Devant d'un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Elle lui avait dit, je viendrai vers midi, il était déjà 6h30. Il pensait, c'est bizarre, comme les femmes sont en retard, mais toujours patient et plein d'égards. Ah, monsieur attendait au café du palais, devant d'un du bonnet. La femme qu'il aimait. Édith Piaf chante Un refrain courait dans la rue. Un refrain courait dans la rue, bousculant les passants. Il se faufilait dans la cohue d'un petit air engageant. J'étais sur son passage, il s'arrêta devant moi et me dit d'un
Suisse, mon Dieu, pour moi. Viens rentre dans ma chanson, il y a de beaux garçons. Jette ton chagrin dans leur ruisseau et tourne-lui le dos. C'est ma prairie par Yves Montand. J'aurais pu chanter sur ma guitare les exploits de tous les gars de l'Ouest. Laissez-moi retrouver mes rodéos, mes bagarres. Laissez-moi retrouver mon power. All glory ever lose. Et voici Jacques Elion qui vous présente Pâté Marconi. Connaissez-vous le petit chien avec son petit air malin? Écoutant la voix de son maître, à vous aussi de la connaître. Ah oui, ah oui, vraiment, la voix de son maître, soyez client. Pour tous vos appareils, électrophones, téléviseurs, radios, disques, Pâté, Columbia, la voix de son maître, une seule grande marque, Pâté Marconi. Une good night. Lorsque vient l'hiver, on retarde le doux instant du coucher. Craignant le froid, l'on musarde, bien que dormir soit un si bon péché. La couverture good night tient bien au chaud la nuit. On passerait sa vie dans son lit quand on possède une good night. Certains proposent les bouillottes parfaites, dit-on, pour les pieds. Mais c'est tout le corps qui grelotte, et puis vraiment, c'est bien trop démodé. La couverture good night tient bien au chaud la nuit. On passerait sa vie dans son lit quand on possède une good night. Et mariez-vous les amoureuses, mais il ne faut prendre époux, parce qu'on est frileuse,
Sous ce rapport, nous avons mieux pour vous. La couverture Good Night tient bien au chaud la nuit. On passerait sa vie dans son lit quand on possède une Good Night. Ce disque vous a été offert par la couverture Good Night. La couverture jacquard la plus appréciée, chaude et légère. Vous aurez vraiment une bonne nuit avec Good Night. Comme une poupée avec sa robe blanche, ses rubans bleus dans les cheveux, quand elle allait à l'église le dimanche, chacun la suivait des yeux. Avec son regard d'enfant sage et le sourire de ses 15 ans, la belle enfant sur son passage laissait un parfum de printemps. Jolie comme un cœur, innocente dans sa robe blanche, jolie comme un cœur, où s'effrêle comme une pervenche, où le bleu du ciel inondait ses grands yeux, où l'or du soleil enflammait ses cheveux. Jolie comme un cœur, c'était un bouquet de fraîcheur. Lorsque l'amour fut enfin de son âge, elle rencontra un beau garçon. 6 mois après, ce fut le mariage, sonne joyeux carillon. Et sur le parvis de l'église, la petite mariée dans les fleurs paraissait encore plus exquise, voilée de rêve et de candeur. Jolie comme un cœur, innocente dans sa robe blanche, jolie comme un cœur, où s'effrêle comme une pervenche, où le bleu du ciel inondait ses grands yeux, où l'or du soleil enflammait ses cheveux. Jolie comme un cœur, c'était un bouquet de fraîcheur, mais lui qu'elle aimait de toute son âme l'abandonna. C'est le destin, ne croyez pas qu'elle en fit tout un drame. Elle avait trop de chagrin. Dans une fervente prière, un jour elle fermait les yeux, quand dans un rayon de lumière, elle s'envola vers les cieux. Dans sa robe blanche, jolie comme un cœur, où s'effrêle comme une pervenche, son charme attendrit l'archange Gabriel, qui dit à Saint-Pierre, ouvrons-lui notre ciel. Jolie comme un cœur, elle connut enfin le bonheur. Elle connut enfin le bonheur. Une toute nouvelle chanson, Pénombre. Paroles de Hubert Riquier, musique d'Alex Signavier. Pénombre, le jour lentement s'efface. Dans l'ombre, mes bras tendrement t'enlacent, et nos caresses doucement naissent, chassant notre tristesse. Bien loin sous le regard du soir, la métamorphose du jour qui s'enfuit fait rêver les roses que je t'ai cueillies. Et sous tes paupières, je vois la prière d'un bonheur infini.
pénombre d'un mystérieux silence où tombe l'harmonie de ma romance et ce prélude de solitude prépare à l'inquiétude et dit mon cœur, j'ai peur. Le temps cruel comme l'automne après l'été a su faner les roses de notre passé. Et tandis qu'en mon cœur frissonnent les regrets, je vais cherchant encore un souvenir aimé. Une ombre, l'hiver tristement me glace. Dans l'ombre, je pleure souvent ta place. Dans ma retraite, toujours je guette ta chère silhouette. Mais seul vient le chagrin sans fin. Comme un rêve étrange flotte un souvenir. Hélas, rien ne change à tous mes soupirs. Je traîne sans haine la très lourde chaîne de nos lointains désirs. Une ombre dans cette nuit qui me blesse, il tombe l'harmonie de ma détresse. Et sur ma peine, calme et sereine, revient l'image ancienne de nos beaux jours. De Fernande Bergerac, j'aime. J'aime accueillir des fleurs dans la lune. Mais attention, il ne faut pas tomber. J'aime à courir pieds nus dans la dune. Mais si on tombe, on est désenchanté. J'aime à chercher seule sur le rivage rose, bleu, jaune des coquillages, où l'on entend la mer murmurer. Et surtout j'aime que tu m'aimes encore et plus et davantage. Mais attention, il ne faut pas m'aimer. J'aime les fruits, les fleurs et les perles, le sable chaud, les vagues et le soleil. Et la mer agitée qui déferle, et les étoiles qui éclairent mon ciel, et la douceur d'un tendre visage, j'aime la cadence du poème qui fait chanter. Et surtout j'aime
m'aimes encore et plus et davantage. Mais attention, il ne faut pas m'aimer. Beaux cheveux, coloris merveilleux, des tons doux et soyeux, aux reflets lumineux. Beaux cheveux, le ton qui vous plaira, mesdames, c'est immédiat qui vous le donnera. De succès quand on a des beaux cheveux, des cheveux de 20 ans, fini les cheveux blancs en les recolorant. Un million de femmes en France, 10 millions de femmes dans le monde recolorent leurs cheveux avec Immédiat. Immédiat, la reine des teintures pour cheveux chez votre coiffeur. Immédiat. Chin-chin, madame, et tout deviendra merveilleux en regardant vos yeux, madame. Je me sens soudain très heureux. Si les mots d'amour sont les mêmes, moi j'en ai trouvé de nouveaux. Je viens d'inventer, je vous aime. N'est-ce pas, madame, que c'est très beau? Ma découverte est très jolie. Madame, vous avez souri, vous avez souri, ma chérie. Alors, garçon de Martigny. Thank you.
Mademoiselle, rentrez vos griffes. Je ne suis pas mauvais garçon. Si votre air est agressif, je n'en vois vraiment pas la raison. Votre robe coquette et votre silhouette, voilà qui me séduit. À l'ongle qui se rebiffe, je préfère la petite griffe sous le signe de Paris. Mademoiselle, souriez-moi donc, acceptez ce petit brin de cour. Faites-moi sans façon, mademoiselle patte de velours. Le samedi à 17h55, des milliers d'auditrices attendent avec impatience le moment où, sur les ondes de Radio Monte Carlo, Suzanne Fournier leur parlera de l'élégance sous le signe de Paris. Chronique offerte par la griffe bien connue sous le signe de Paris, dont notre maison reçoit en exclusivité les créations sans cesse renouvelées. Mais écoutez, Suzanne Fournier vous parle. C'est un plaisir pour moi, mesdames, de vous parler aujourd'hui des créations sous le signe de Paris, car avec elles, j'ai découvert le prêt-à-porter de qualité. Sous le signe de Paris, on vous présentera des robes, des deux pièces, des ensembles, jupes et corsages qui ont été spécialement étudiés pour vous apporter, à des prix raisonnables, en même temps que la qualité, la nouveauté, l'élégance, tout le chic de Paris. La robe prêt-à-porter, c'est une formule nouvelle chez nous, mais une formule qui vous séduira vite. Avec elle, point de déception possible. Ce que vous choisissez, vous l'avez en main, vous le voyez réalisé, et non pas pour un mannequin qui a 1m75 de haut et 50 cm de tour de taille, mais pour des femmes normales. Vous pouvez essayer le modèle, s'il vous va, l'emporter. Y a-t-il quelque retouche à faire? Tout a été prévu pour cela. Vous achetez le modèle qui vous plaît, vous l'emportez, sans fatigue et sans perte de temps. Cela compte. Avec les robes que l'on fait faire, nous avons toutes connu l'énervement causé par la toilette qui vous est livrée au dernier moment. Tenez. Il me souvient qu'un soir, je ne connaissais pas alors le prêt-à-porter, un soir où j'allais à un dîner très élégant, ma robe me fut livrée à la dernière minute. C'était, sur un fourreau de satin noir, une sorte de casaque collante en un merveilleux lamé vert pâle, rose et or et fin, souple comme une mousseline. Crispé, j'enfilais le tout et filais. Je sentais bien que j'étais trop serré, mais que faire? Je le compris dans la voiture. À chaque fois que ma poitrine se gonflait pour respirer, les deux fermetures, de chaque côté, sous les bras, glissaient. Je ne sais ce qui s'était passé entre le dernier essayage et la livraison. La solution, respirer à demi. C'est ce que je dus faire, et me priver de manger, pendant tout le repas. Vous riez? Oh, moi, je ne riais pas. Passons. Avec le prêt-à-porter de qualité, on n'a pas de ces surprises. Dans la collection sous le signe de Paris, les robes que l'on vous offre ont aussi l'avantage d'être répétées à très peu d'exemplaires, si bien que vous ne risquez pas de rencontrer à tous les coins de rue la robe que vous avez choisie. Et il y a des modèles pour tous les types de femmes, pour les petites et les grandes, pour les minces et les moins minces, pour les blondes et les brunes, pour toutes les femmes et pour tous les âges. On ne risque pas la mésaventure dont fut victime une de mes amies, une charmante femme, un peu forte. Elle avait commandé une robe fort jolie sur le mannequin. Au premier essayage, en la voyant sur elle-même, elle protesta avec véhémence. « Mais mademoiselle, il y a erreur, je n'ai pas commandé cette robe-là, elle me grossit, le modèle que j'ai choisi était tout différent. » On le lui montra, et elle dut bien convenir que c'était celui-là. Mais sur elle, qui avait de la poitrine et des hanches, rien ne se plaçait de la même façon. Les proportions n'étant plus les mêmes, l'équilibre était détruit. Désespoir. Elle avait cru, la pauvre, dans un moment d'euphorie, que la silhouette et la robe s'achetaient en même temps. Ça n'est pas si commode. Il y a des règles à respecter. Et la création sous le signe de Paris les respecte. Mais, mieux que des mots, les modèles vous permettront de juger. Sous le signe de Paris, c'est un nom prestigieux, un nom qui, pour tous les hommes de goût, est devenu synonyme de « une femme bien habillée ». D'ailleurs, écoutez,
Pierre Spire et Roger Marc ont composé sous ce nom une chanson sous le signe de Paris. Quand elle vient sur mon chemin d'un petit air mutin, quel amour, je vois le soleil, son éclat vermeil, et tout le printemps, et tous ces beaux jours. Pourquoi mon cœur est-il épris? Je l'ai bien compris, c'est exquis. C'est parce que je la gobe pour ses petites robes sous le signe de Paris. La voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vigne et le vin. La voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. De vin en bire, le voilà le joli bire. Pire, le vin, le voilà le joli pire au vin, le voilà le joli pire. Pire, 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 le vin, le voilà le joli pire au vin, le voilà le joli pire. Vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, 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 le vin. La voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. Le voilà le joli pire, pire et pire, pire au vin, le voilà le joli pire au vin, le voilà le joli pire. De terre en vigne, de vigne en vin, de vin en vigne. Rose Avril et Maurice Denoux vous présentent Une chanson est née. Eh bien, ma chère Rose Avril, puisque vous êtes devant le micro aujourd'hui, je vois que vous tenez dans vos bras un nouveau bébé chanson. Dites-nous un peu comment s'appelle ce bébé. Eh bien, ce bébé chanson, ce tout nouveau-né, s'appelle Au petit bal des quatre vents. Et les parents sont Potra et Arini. Justement, Arini, qui est le compositeur, est là. Eh bien, mon cher Arini, approchez un peu du micro et dites-nous comment vous avez conçu ce bébé. Eh bien, voilà, je jouais dans un bal au bord de la Marne, sur les bords de la Marne, et tout un coup de vent m'a emporté la musique, oui. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire Au petit bal des quatre vents. Eh bien, je pense que ce coup de vent emportera votre chanson au succès. Oui, vous êtes super. Mais certainement. Et comment avez-vous eu l'idée de la présenter à Rose Avril? Eh bien, voilà. Rose Avril avait besoin d'un accompagnateur pour un gala. Et elle m'a appelé, n'est-ce pas? Et en répétant, je lui ai montré ma musique, le petit bal des quatre vents. Ça, j'ai eu la chance que la musique et les paroles lui ont plu.
Oui, vous avez été un peu ému en lui présentant cette chanson. Naturellement, un compositeur est toujours très ému quand il doit présenter son nouveau-né. Et heureusement que Rose Avril est charmante et qu'elle vous a tout de suite mis à l'aise, certainement. Eh bien, nous allons lui demander de chanter cette chanson. Voulez-vous vous mettre au piano? Je vais vous chanter au petit bal des quatre vents. Eh bien, alors, nous écoutons. Au petit bal des quatre vents, le patron chante en se levant. Les amoureux, ils sont heureux, c'est une auberge du bon Dieu. Si le beau temps d'un geste coquet, d'un verre éclatant, repeint les bosquets, il sait aussi reprendre nos cœurs et sur nos soucis semer du bonheur. Si vous voulez pour longtemps voir l'amour comme au printemps, le cœur fervent, venez souvent au petit bal des quatre vents. L'amour est resté près de moi, le train du soir sifflé d'un air narquois, et l'on bat avec du ciel aux doigts, sur furie de rêves à la fois. Et dimanche, tout bleu vers ce coin merveilleux, nous revoit partir tous les deux. Au petit bas des quatre vents, le patron chante en se levant. Les amoureux y sont heureux, c'est une auberge du bon Dieu. Si le beau temps d'un geste coquet, d'un verre éclatant, repeint les bosquets, il sait aussi repeindre nos cœurs, mais sur nos soucis, s'aimer du bonheur. Si vous voulez, et pour longtemps, croire à l'amour comme au printemps, le cœur fervent, venez souvent au petit bal des quatre vents. Au petit bal des quatre vents. Eh bien, merci Rose Avril, merci Arimi. Et je pense que votre chanson deviendra un grand succès, l'avenir nous le dira. C'était une pauvre fille, sans amis et sans famille, qui vivait à la Bastille, en vendant des pacotilles. Par hasard un jour de fête, pendant qu'il faisait la quête, un vieux clown vit la pauvrette et aussitôt l'adopta. Il l'appela Manouchka, lui apprit la polka. 1, 2, 1, 2, 3, suis bien la musique, sois plus romantique. 1, 2, 1, 2, 3, ce n'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Pendant une année entière, le bon clown jamais sévère lui enseigna la manière de paraître plus légère. Elle avait tant de courage qu'un jour, malgré son jeune âge et son minois d'enfant sage, dans un cirque on l'engagea. On l'appelait Manouchka, elle dansait la polka. 1, 2, 1, 2, 3, voyez son allure, sa désinvolture. 1, 2, 1, 2, 3, ce n'est pas plus difficile que ça, n'est-ce pas? Tous les jours de la semaine, elle dansait à perdre haleine, et ce fut bientôt la reine de la polka parisienne. Mais le vieux clown eut à peine le temps d'oublier ses peines, et sentant sa fin prochaine, il appela Manouchka. Petite Manouchka, veux-tu danser pour moi? 1, 2, 1, 2, 3, les genoux qui flanchent sous sa robe blanche. 1, 2, 1, 2, 3, c'est bien difficile de danser la polka. Quand elle eut fini sa ronde, dans une émotion profonde, Manouchka la vagabonde se retrouva seule au monde. Après un baiser suprême sur le front du vieux bohème, elle voulut danser quand même pour cacher son désarroi. La pauvre Manouchka sentait faiblir ses pas,
un, deux, trois. Tout son corps frissonne, son cœur l'abandonne. Un, deux, trois. Manouchka ne dansera plus là. Manouchka. Il y a beaucoup de bruit sur la terre, il y a des cris, il y a des chants, il y a le grondement du tonnerre et le rire des petits enfants. N'importe quoi teinte ou résonne, même une mouche fait du bruit, une étoffe que l'on chiffonne et même le temps qui s'enfuit. Il y a la goutte d'eau qui fait floc et le fouet qui fait claque, la mâchoire qui fait croque et le bois qui fait craque. Il y a des choses qui font toc, le réveil fait tic-tac, les moustiques font des cloques, il y a des qui claque. Il y a beaucoup de bruit sur la terre, il y a des cris, il y a des chants, il y a le grondement du tonnerre et le rire des petits enfants. Chérie, je voudrais n'entendre que ton cœur qui bat et les mots charmants et tendres que tu dis tout bas. Mais autour de nous le monde est une symphonie qui murmure ou bien qui gronde et tout nous dit. Il y a beaucoup de bruit sur la terre, il y a les arbres et leurs cliquetis, il y a le murmure des prières et les vagues et leurs clapotis. Il y a les voix de tout le monde, il y a même des couleurs qui crient. Il y a un bruit pour chaque seconde, et chaque seconde a son bruit. Il y a la goutte d'eau qui fait floc, et le fouet qui fait claque, la mâchoire qui fait croque, et le bois qui fait craque. Il y a des choses qui font toc, le réveil fait tic-tac, les moustiques font des cloques, il y a des affaires qui claquent. Il y a beaucoup de bruit sur la terre, il y a des cris, vive ceci, abat cela. Il y a des chants, dansons la carme, plaisir. Il y a le grondement du tonnerre et le rire des petits enfants. Et le rire des petits enfants. Ah, merci Irène. Quels sont les auteurs de cette chanson? Jean-Jacques Rouff et Roger Lucchesi. Ah, c'est très gentil. Et la semaine prochaine, où irons-nous, Irène? Mais André, si je vous le dis, mais ce ne sera plus une surprise, voyons. Oui, mais alors vous nous promettez que toutes les chansons que vous allez nous chanter seront inédites. Mais évidemment, voyons sans cela. Où serait l'intérêt de l'émission? Eh bien alors, Irène, à la semaine prochaine. Au revoir, mesdames. À la semaine prochaine, André. Et bonsoir, messieurs. Vous venez d'entendre notre nouvelle émission avec Irène Hilda, Un air qui vient. Réalisation.